Bonjour la famille. Il est tôt, mais là je commence à être dès le matin fatigué, fatigué par l'attitude des gens. Mais vous êtes fous les gens. Il y a des gens, c'est des grands malades dans leur tête, c'est un truc de ouf. Bonjour à tout le monde là, bonjour à ceux qui disent bonjour, merci de partager là parce que je vais envoyer non pas du lourd avec la voix, mais là va falloir se détendre un petit peu les gars. Va falloir se détendre un petit peu parce que les énervés du clavier là. Vous commencez à me gonfler quoi. Quand on appelle à la tolérance, à un moment donné, vous allez ouvrir un dictionnaire et essayer de vous renseigner ce que ça veut dire le mot tolérance. Ça ferait peut-être un peu du bien, quoi. Parce que vous êtes les premiers à vous faire chier dessus, vous êtes les premiers à chier sur les autres et après vous venez vous plaindre. D'accord? Donc je laisse le gens arriver et on va s'expliquer. On va s'expliquer. D'ailleurs, je vais me lever, ça va me faire du bien, je vais marcher un petit peu. Bon, alors on va commencer à tous les énervés des réseaux sociaux là, d'accord? À tous les frappadingues du clavier là qui viennent s'exciter sur les commentaires. On va se détendre 5 minutes les gars, on va se détendre 5 minutes, d'accord? À tous les puristes bas du front qui viennent m'emmerder parce qu'ils pensent que je suis... Alors c'est marrant hein, parce que Rodriguez c'est un leader quand ça vous intéresse. Hein. Alors je m'adresse aux gens qui sont un peu cons hein, sur les bords, je m'adresse aux gens qui sont un petit peu mal polis, qui sont insultants. Alors oui, moi aussi je vais me permettre de les traiter de cons, je prends cher depuis 48 heures. En soi ça m'empêche pas de dormir, mais on va essayer de rétablir un petit peu les choses parce que ça commence à me gonfler sérieusement. Alors Rodriguez, c'est un leader quand ça vous intéresse. Hein. Rodriguez, c'est un leader quand vous le sentez bien, quand vous vous retrouvez le cul dans la merde et quand vous avez envie de passer un message. Hein. Puis alors Rodriguez, c'est un porte-parole quand ça vous intéresse aussi. Hein. Ah ouais, Rodriguez, c'est un porte-parole quand ça vous intéresse. Alors Rodriguez, c'est un porte-parole quand il doit demander à voter Le Pen. Par contre, c'est un ferme-ta-gueule quand il va demander autre chose. Hein. Rodriguez, quand il va dire on va faire une manif à tel endroit et on va se réunir tous les gilets jaunes et pouvoir discuter, on va lui dire ferme ta gueule, t'es pas un leader. Mais par contre, quand Rodriguez, il demande à ne pas appeler à voter Le Pen et que les gens puissent se démerder entre eux, d'accord? Quand il donne sa propre position, là, par contre, Rodriguez, il aurait fallu qu'il soit un bon leader et qu'il aille dans le sens des gens qu'il envie, que les gens ont envie d'entendre. Mais vous êtes sérieux ou quoi, les gars? Ça fait 3 ans que vous écrasez n'importe quel mec qui ose prendre la parole. Ça fait 3 ans que vous lui chiez dessus. Ça fait 3 ans que vous me chiez dessus. Que vous avez chié sur tous les leaders. Et là, aujourd'hui, ça vous intéresse d'en avoir un. Mais comme il ne va pas dans votre sens, vous venez lui chier dessus. Vous n'avez pas compris quoi sur le live? Je ne vous ai pas dit ce que vous avez à faire. Je n'ai pas dit ce que les gilets jaunes devaient faire. J'ai dit ce que moi, j'allais faire. Vous n'êtes pas capable de comprendre quoi? Politiquement parlant, Marine Le Pen, c'est pas mon bord. Macron, c'est pas mon bord. D'accord? Familialement parlant, Le Pen, c'est pas mon bord. À un moment donné, je vais pas donner ma voix ni à l'un ni à l'autre. Fin de l'histoire, vous êtes là à tous dire tout sauf Macron. D'où, au premier tour, vous m'avez entendu dire tout sauf Macron. Le tout sauf Macron, on l'avait testé aux européennes il y a 3 ans en arrière. On avait pris des grosses claques dans la gueule. Vous avez pas compris quoi, à un moment donné, de faire le bilan et d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans le passé pour pas répéter les mêmes conneries. Non, mais vous êtes sérieux ou quoi? La tolérance! Même moi, j'arrive à tolérer des lepénistes aujourd'hui, à discuter avec eux, à débattre avec eux, et essayer d'échanger des points de vue et peut-être les convaincre ou nous convaincre ensemble qu'il y a un problème. Et vous venez ici chier sur la gueule des gens, mais vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Faites ce que vous avez à faire, les gens. Vous êtes responsable de votre destin, vous êtes responsable de vos actes. Arrêtez de faire payer aux uns et aux autres ce que vous n'avez pas compris, ce que vous n'arrivez pas à faire ou ce que vous n'arrivez pas à construire. Ouais, j'en déçois beaucoup, et alors? Moi aussi je suis déçu, moi aussi je suis déçu, moi aussi je suis déçu qu'au premier tour les gens n'ont pas fait ce qu'il fallait à faire, et je suis venu chier sur personne moi, je suis venu porter la responsabilité sur personne. Les gens sont capables d'écrire « à cause de toi Rodriguez, oh, Macron va repasser, à cause de toi Rodriguez ». Non mais à cause de moi quoi, je suis le seul à voter dimanche. Je suis le seul à voter moi dimanche. Mais portez vos couilles! Portez vos couilles. Mais là, c'est même pas une question de troll, hein, parce que j'ai fait la différence entre deux types de personnes, entre les lepénistes qui aujourd'hui sont purs et durs et l'ont voté pendant 40 ans et ils font ce qu'ils ont à faire, je m'en bats les couilles, et ceux qui vont voter Le Pen parce qu'aujourd'hui, ils en ont marre. Le problème, c'est que la haine n'est pas bonne conseillère, d'accord? Le problème, c'est que à un moment donné, c'est pas faire n'importe quoi pour éviter de refaire n'importe quoi. Et peut-être la différence qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre, c'est qu'au pire, on sait qu'on connaît la méthode de fonctionnement de Macron. Alors je vais juste aussi répondre à un argument que j'entends beaucoup. Ouais, mais Marine Le Pen, elle veut le RIC. Ouais, génial, elle veut le RIC, principale revendication des gilets jaunes. Déjà, les gilets jaunes, ils voulaient bien bouffer avant le RIC, parce que le RIC, ça se mange pas, d'accord? Mais dans l'absolu, vous m'expliquez là?
Vous m'expliquez là, tous ceux qui me viennent avec cet argument, pourquoi elle ne veut pas du RIC révocatoire? Vous savez, le RIC révocatoire, c'est-à-dire que quand le mec fout la merde, on a la capacité de pouvoir le dégager. D'accord? Ça, c'est marrant, hein, le RIC révocatoire, ça n'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Ok? Alors, je le répète, moi, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Fin de l'histoire, l'un ne vaut pas l'autre. L'un porte une jupe, l'autre rêverait de porter une jupe. C'est tout. Les médias qui chient sur la gueule aujourd'hui de Le Pen, qui l'ont encensé avec Zemmour pendant des mois et des mois, qui en ont fait des stars, vous vous rendez compte? Elle aime les chats, l'autre il aime la bière et ceci, ils en ont fait des stars. Et aujourd'hui ils viennent lui chier dessus. Intéressez-vous au vrai combat, venez pas chier sur la gueule des gens, vous en portez les responsabilités à d'autres. Vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de votre vote. Et combien même vous êtes dans l'isoloir, personne ne sera derrière votre cul pour savoir ce que vous avez mis dans l'enveloppe. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors maintenant, un peu de respect, un peu de calme, d'accord? Soyons cordiales un petit peu. Essayons de nous exprimer, essayons de nous comprendre. D'accord? Parce que là, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, et bravo à eux, hein, c'est de bien encore foutre le bordel, de bien diviser les gens. Hein, même ceux qui marchaient ensemble, quelle que soit leur couleur politique, à partir du moment où ils intégraient le mouvement des Gilets jaunes, savaient pourquoi ils se battaient, sans y mêler leur propre politique. Le frigo, le bien-être de tous, le fait que les Français soient heureux, qu'ils puissent avoir du travail. Il n'y avait aucune couleur politique qui rentrait en ligne de compte. Et là, vous êtes en train de faire tout éclater, tout un mouvement pour pouvoir proposer vos propres idées. Il y a un combat à mener. Que ce soit l'un ou l'autre, il y aura un combat à mener. Alors au lieu de vous concentrer sur la connerie qui vous anime, essayons de nous concentrer sur le combat qui va nous animer encore pendant 5 ans, que ce soit l'un ou l'autre, et que ce soit quelle que soit la personne, parce qu'ils ont un projet bien défini. D'accord? En tout cas, moi, je viens pas chier sur la gueule. Aujourd'hui, je tolère que des gens qui sont pas du même bord politique que moi, que des gens qui sont peut-être pas forcément en accord avec ce que je peux dire et ce que je peux faire, de pouvoir s'exprimer sur la page, sans forcément les censurer, sans forcément les dégager. Vous voyez, ça c'est le mouvement des Gilets jaunes qui m'a appris ça pendant 3 ans. De savoir discuter, de savoir entendre, de savoir proposer, de savoir mettre sur la table et de proposer des débats. Alors si vous n'avez pas de respect pour ce que j'ai choisi de faire dimanche, ayez au moins du respect pour ça, ceux qui sont contre moi. Parce que vous pouvez vous exprimer sur une page, tant que vous êtes correct, cordial, et tant soit peu tolérant, malgré vos idées politiques qui ne sont pas les mêmes que moi, vous pouvez vous exprimer sur cette page. Alors retrouvez un petit peu votre politesse que vous avez su tenir pendant 3 ans. La déprime, la colère, la haine n'est pas bonne conseillère. Je regarde quelques commentaires. Voilà, c'est tout ce que je demande. Un peu de respect, même si on n'est pas d'accord. En tout cas, je sais ce que j'ai fait pendant 3 ans, et j'ai pas besoin de me justifier. Maintenant, ceux qui sont pas contents, faites ce que vous avez à faire. En tout cas, la famille, on va tenter d'aller sur Paris, parce que très compliqué de se rendre sur Paris. On continuera de manifester, on continuera de donner de la voix, quel que soit celui qui gagnera, quel que soit celui qui se présentera, quel que soit celui qu'il faudra dégager, parce qu'à un moment donné, est-ce qu'ils vont savoir répondre à nos questions? Ça, je suis pas certain. Réfléchissez à ça, avant de vous prendre la tête. D'accord? Parce que les Gilets jaunes, c'était la fraternité, quelles que soient les idées politiques, pour le combat que l'on menait. Et aujourd'hui, la fraternité, elle vient de se fracasser contre un mur, parce qu'on est tous en train de se battre, on a l'impression que c'est un match de foot. Qui va gagner la partie? Pour qui on est? On a des supporters. Non, mais on est où, là? On est où? De toute façon, en plus, les gens s'énervent. Tous ceux qui fréquentent la page depuis 3 ans savent très bien que je ne suis pas Marine Le Pen. À un moment donné, je vais aller à l'encontre de ce que je pense et de ce que je suis. Et moi aussi, je me regarde dans un miroir le matin, même si j'ai une sale gueule, j'essaie de me rendre un petit peu beau pour pouvoir être présentable devant les gens. Et la personne que j'ai en face de moi le matin, j'aimerais qu'elle me... que je puisse être cohérent avec ma conscience. Donc après, que je puisse décevoir les gens, je peux l'entendre, mais au moins je suis cohérent avec ma conscience, ça c'est une certitude. Voilà la liberté de chacun. Exactement, Omar. La liberté de chacun.
Chacun est libre de faire ce qu'il a à faire, de porter la responsabilité de ce qu'il fait, sans forcément venir faire chier l'autre. Et voilà, regardez, arrête ton cinéma, les Gilets jaunes, pour moi, vous n'avez pas appelé à voter Mélenchon. Mais on n'a pas des prérogatives à appeler à voter pour qui que ce soit. On est qui, on est quoi? On n'est pas des porte-parole, on n'est pas des leaders. J'ai pas à te dire qui tu dois aller torcher, pour qui tu dois aller voter, ce que tu dois manger, prier ou aller faire du sexe. Non mais vous êtes sérieux les gens? Enfin bref, pensez ce que vous voulez. Je vous demande juste d'être correct. Même si vous n'êtes pas d'accord avec qui que ce soit, moi le premier, je vous demande juste d'être correct. Voilà, de ne pas vous insulter et d'éviter d'insulter tout le monde. Parce que pire que... Il y a pire que les coups, il y a les mots. Bref, je vous fais un bisou la famille. Ouais, alors j'aime bien. Ouais, Jérôme, t'es un influenceur, t'as une forte influence. Bah, vous verrez ce que je me prends dans la gueule parce que qu'est-ce qu'on essaye de m'influencer, moi aussi? Truc de dingue, hein. Truc de dingue. Parce que moi aussi, on essaye de me convaincre. Moi, j'essaie de convaincre personne. Faites ce que vous avez à faire. Réfléchissez avant tout. Bisous la famille, prenez soin de vous et on se voit sur Paris si j'arrive à m'y rendre. À tout à l'heure. C'est ça, arrêtez de mettre la faute sur les autres. C'est sûr. On y arriverait mieux.